Bonjour à tous, c'est Denis Maclay. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'une collection de Tsum Tsum BTS que j'ai faite en pâte polymère. Alors, je vais vous les présenter un par un dans l'ordre où je les ai faits. Et vous allez voir que je me suis un petit peu cherchée, surtout au niveau des cheveux. Voilà, au début, en fait, je ne savais pas si je vais faire des cheveux quelque chose de très de lisse ou si je devais faire les mèches. Donc, j'ai choisi de faire des mèches et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on commence par RM. Donc, RM, c'est le leader du groupe. Donc, il a un pantalon marron, il a une chemise avec des petites étoiles. Du coup, j'ai fait une canne. C'était pas facile à faire une canne étoile. Et il a ses grosses lunettes jaunes et sa teinture des cheveux bleus. Voilà pour RM. Ensuite, je suis passée à Taeyong. Je sais pas si je l'ai dit bien. Qu'on dit, enfin on l'appelle aussi V, apparemment. Et du coup, lui, il a un costume vert avec le veston, la chemise, la cravate, une petite boucle d'oreille. Et voilà. Alors, au niveau de ses cheveux, je trouve que ses mèches sont peut-être un peu grosses. Pour les autres membres, je les ai fait plus petites. Bon, c'est, ça va. Ensuite, je suis passée à Jean. Donc, Jean, il a un pantalon marron et il a une chemise à petits pois. Et sinon, voilà, c'est très simple. Enfin, ce qui n'est pas super simple non plus, c'est de mettre les petits pois à égale distance les uns des autres. Voilà. Alors, au niveau des cheveux, vous voyez, c'est autre chose. Là, les mèches sont plus fines. Bon. Ensuite, on passe à Jayop. Donc il a une paire de lunettes noires, il a une chemise bordeaux, un jean, voilà. Et alors là, j'ai pas été super forte au niveau de ses cheveux. Voilà, donc j'ai fait une base que j'ai striée et puis les cheveux venaient devant. Donc c'est pas comme celui-ci où on a les mèches qui rejoignent en fait. Là j'ai, voilà, c'est celui dont je suis moins contente au niveau des cheveux. Donc ensuite, on a, si je ne me trompe pas, Suga. Suga, donc il a le jean, la chemise, le gilet et la veste, des petits anneaux aux oreilles. Et là, vous voyez les cheveux, j'ai fait un petit peu autrement. Voilà, j'ai fait plus mèche que texture comme là j'avais fait. Et puis j'ai fait quelques mèches qui rejoignaient en fait pour donner un aspect moins abrupt entre l'avant et l'arrière. Ensuite, je suis passée à Jimin. Jimin, donc qui a un jean et puis une veste Gucci. Les cheveux sont en arrière. Donc c'est un petit peu plus simple à faire du coup. Et il a des grandes boucles d'oreilles comme ceci. Et le dernier, donc bah, c'est celui que je préfère, hein. Au niveau du Tsum Tsum, après les membres, je ne les connais pas. C'est Jungkook, si j'ai bien dit. Donc, il a une chemise, il a la veste à carreaux. Alors, la veste à carreaux, hein, c'était pas facile à faire une canne comme ça, à la réduire, à faire en sorte que les carreaux restent des carreaux et ne se déforment pas. Bon, c'est un petit peu déformé, hein. Je ne suis pas la reine des cannes. Et donc, voilà le Jungkook. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo parce que bah, cette collection était un petit peu plus longue à faire, surtout certains personnages et leurs chemises à motifs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'attends vraiment avec impatience vos retours. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tutodoli.